Bien, bonjour à tous, je suis le professeur Gilbert Brochette du CHU de Grenoble en cardiologie et je suis très heureux par cette petite vidéo de vous annoncer le commencement d'une étude qui s'appelle EvaPerf Pollution, qui va s'attacher à voir les effets délétères, encore mal connus, de la pollution sur les artères du cœur, que l'on appelle les coronaires, et tout particulièrement des artères microscopiques qui forme la microcirculation coronaire et nous allons donc nous attacher à voir les effets de la pollution sur ces petites artères par une nouvelle technique que nous avons mise en place en imagerie. Il s'agit d'une étude collaborative qui implique le CHU de Grenoble, le service de cardiologie, l'INSERM et le CNRS et on espère que les répercussions seront importantes, notamment sur les stratégies de prévention. Et la meilleure prise en charge de nos patients, le dépistage de la maladie coronaire avant qu'il se passe un événement, c'est-à-dire un infarctus notamment du myocarde. Et on tient à souligner que cette étude peut se réaliser, peut se faire grâce au soutien financier de la Fondation Cœur et Recherche et des Hospices de Bonne, et que c'est important donc de voir des soutiens financiers pour faire avancer la recherche, pour une meilleure prise en charge de nos patients. Et donc nous vous tiendrons au courant de nos progrès et de nos différents résultats au fil de l'eau. Et actuellement, nous avons recruté des personnes dédiées à cette étude. Nous avons aussi mis en place nos stratégies de prise en charge. Et donc tout est prêt pour débuter. Et donc à très bientôt.